Bon les amis, en me promenant cet après-midi, j'ai trouvé deux objets. Une boîte de conserve, qui apparemment n'est pas là depuis longtemps, et un bout de chiffon, qui traînait par contre lui, il a l'air d'être là depuis longtemps. Et ça m'a donné une idée. Je vais vous montrer comment fabriquer une torche. Allez, ben, on va chercher un bois, et je vous montre tout ça. C'est parti! Regardez, dans la nature, si on a un peu de chance, et si ça veut rire, on a juste à se baisser pour ramasser ce dont on a besoin pour faire nos petites constructions. Donc ça, je vais le garder, c'est un bois mort. Normalement, il serait plutôt conseillé de prendre un bois vert pour éviter qu'il s'enflamme. Mais comme moi, j'évite de toucher aux arbres verts, je vais vous faire la démonstration avec un bois mort. Mais sachez que voilà, si vous pouvez trouver le même en cas d'urgence en bois vert, c'est encore mieux. Donc ça va nous servir de manche pour la torche. Il ne reste plus qu'à trouver un combustible. Et devinez quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser? La sève, parce qu'on est entouré de résineux là. Donc je ne devrais pas mettre longtemps à récolter de la sève. Et bien c'est parti, il n'y a plus que ça à trouver. Et après je vous montre comment on fabrique tout ça. Alors pour la sève, typiquement c'est ce qu'on va rechercher là. Ce que vous voyez, c'est une coulée de sève. Donc on ne va pas abîmer l'arbre, on va simplement gratter le surplus de sève sur les arbres où on va trouver des coulées comme ça. Là, il n'y en a pas assez de récupérables, mais typiquement, c'est ce qu'on recherche. Donc on va faire le tour des résineux autour, là, et puis on va bien trouver... Vous voyez, il y en a de partout, même de l'autre côté du chemin. Donc on devrait pouvoir trouver notre bonheur assez facilement. C'est reparti. Alors, pour l'instant... J'ai pas trouvé grand chose. Bien sûr, si je m'en foutais d'abîmer les arbres, il me suffisait de faire un trou dans un arbre vivant, dans un résineux vivant, pour récupérer la résine. Mais moi, je m'y refuse. Et donc, eh ben, je suis contraint de faire le tour des arbres et de voir ceux qui se soignent, de manière à récupérer la sève. Alors, vous voyez, typiquement, le genre de bois que je n'aime absolument pas. Je trouve ça très lugubre parce qu'ils sont très sombres et bien alignés, donc plantés par la main de l'homme. Donc ça fait pas du tout naturel. Je trouve ces bois vraiment lugubres. Par contre, je vais m'y engager parce qu'il n'y a que des résineux et que là, je vais trouver ma vie. Allez, c'est parti à la recherche de la résine. Voilà les amis, un bel exemple de sève qu'on va pouvoir récolter. Donc c'est parti, mon couteau, vous allez voir, c'est très simple, on n'abîme pas l'arbre. On gratte, ça se détache très facilement. Voilà, on récupère le maximum de ce qu'on peut. Là aussi, ça en met. Alors lui, il en a pas mal, parce qu'il a été blessé là, vous voyez, il y a une entaille. Donc l'arbre cicatrise,
avec la sève. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup là. Tout ça, ça en a là. Vous voyez, ça se détache assez facilement. Donc juste avec cet arbre, je vais pouvoir en avoir presque assez. Alors voilà les amis, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai le manche de ma future toche, qu'il va falloir que je retaille bien net pour pouvoir le fendre après. J'ai un bout de chiffon que j'ai trouvé, hein, vous avez vu dans les bois que j'ai ramassé. Il est un peu humide mais il fera l'affaire. Alors l'idéal c'est d'avoir du coton. Voilà, ça c'est un bout de tissu quelconque. Mais il ira bien pour la mèche. J'ai un récipient. Du café bio. Donc les gens ils achètent du café bio et puis ils jettent la boîte dans la nature. Mais bon, moi elle va bien me servir et puis ça me permettra de nettoyer. Donc cette boîte va me servir à faire fondre la sève pour faire un combustible. Alors on peut utiliser le car, notre car, mais simplement après à nettoyer c'est très galère. Donc quand je peux utiliser une autre boîte, c'est encore mieux. Et puis dedans on a la sève qu'on va faire fondre. Voilà, bah écoutez les amis, c'est parti. On va commencer par faire fondre la résine. Donc je vais faire deux trous dans la boîte. J'essaie de ne pas me blesser. Un. Et deux. Vous voyez, j'ai fait un trou. Et un deuxième de l'autre côté. Dedans, j'y passe un bout de bois. Donc ça, ça fera très bien l'affaire. Le chien. Voilà. Et je vais utiliser ma boîte à feu. Ça serait trop long de faire un petit feu. Le temps de l'allumer, faire des flammes et puis après l'éteindre et vérifier que il est bien éteint, ça me prendrait trop de temps. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ma boîte à feu. Je vous avais fait une vidéo sur comment fabriquer une boîte à feu. Elle me suit depuis 2 années, ça se voit. Elle est bien bien utilisée. C'est parti. On va faire fondre tout ça. Et en attendant, on va préparer le manche. Donc le manche, il faut que je commence par le tailler bien plat au bout. Là, on va prendre les gants. Et on va tailler le bout. Et voilà. On remue un petit peu. C'est bien liquide. Comme là. Impeccable. Vous allez tout simplement tremper votre chiffon dedans. Il faut bien qu'il s'imprègne de la sève que vous avez fait fondre. Alors, voilà le résultat que ça donne. Donc j'ai fait 4 ouvertures et je vais entourer mon chiffon dedans.
Donc c'est parti. Voilà. Donc une fois que vous avez bien entouré le chiffon autour du bâton, donc le chiffon est humide et vous voyez ça marche quand même parce que c'est la sève qui brûle. Donc quand on vous dit pour allumer un feu de prendre des résineux, même par temps de pluie, c'est comme le boulot. C'est-à-dire que même en temps de pluie, la résine brûle. Là, le chiffon, je ne peux pas vous le montrer à la vidéo, mais il est vraiment mouillé. Et regardez comment ça brûle bien. Alors voilà les amis, vous avez vu, c'est assez simple de fabriquer une torche dans la nature. C'est un outil indispensable, je dirais, pour au moins éloigner les animaux un peu trop curieux quand vous dormez la nuit dans les bois. Elle peut aussi vous servir à vous diriger, même si encore une fois, je le répète, je vous conseille de ne pas vous éloigner du camp, parce qu'on a vite fait de se perdre, et surtout la nuit. Maintenant, si je peux rajouter quelque chose, une petite astuce pour augmenter l'autonomie de votre torche, vous pouvez mélanger la sève que vous faites fondre à de la paraffine. Par exemple, les bougies cierges, blanches, là, vous pouvez la faire fondre avec et ça augmentera votre autonomie. Voilà. Après, il n'a pas fallu énormément de temps, il m'a fallu à peu près une demi-heure pour récolter la sève. Et encore, j'ai eu la chance de tomber sur une boîte de conserve et un chiffon. Et encore une demi-heure pour la fabriquer. Donc comptez à peu près une heure de temps. En sachant que dans la nature, la notion de temps est totalement différente de ce qu'on vit tous les jours à la maison. Il faut beaucoup plus de temps pour fabriquer les choses parce qu'il faut chercher, il faut gratter. Et des fois, par exemple, moi je viens dans les bois pour vous faire une vidéo et puis je tombe sur autre chose comme aujourd'hui et je fais une vidéo totalement différente. Donc c'est ce que j'aime aussi, chercher et s'adapter et fabriquer en fonction de ce qu'on trouve. Mais du coup, ça prend plus de temps, comme tout. Même le bivouac, par exemple l'été, quand je vais dormir et quand je suis en randonnée, je m'arrête vers 3-4 heures de l'après-midi parce qu'il me faut du temps pour trouver un coin pour dormir et le temps de monter le bivouac avant la nuit. Et l'hiver, bah, je m'arrête un peu plus tôt parce qu'il fait une nuit plus tôt, je m'arrête vers 14 heures. Voilà. Donc tout prend du temps et la notion de temps est vraiment différente dans la nature. Prenez-y en compte quand vous voulez faire quelque chose. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis j'ai hâte de vous revoir très vite pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Allez, à plus.